bonne chose que j'ai un petit œuf. Et pourquoi l'œuf est si grand? Quel cauchemar! On dirait que Bita n'a vraiment pas de chance. Arrête de rire. Allez, qu'est-ce qu'il mange ton œuf? La question, Alex, vas-y. Bien, bien. Laisse-moi secouer cet œuf. Je vais essayer une bouchée. Quelque chose ne fonctionne pas. Ok. Oh oui, non, ça n'a pas marché. Tu sais quoi? J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Merci. Bon, c'est parti. Oh non, oh non. Non, please. Ah, c'est dégoûtant ça. Non, un énorme jaune d'œuf. Je vais être malade. Oh, quel visage que t'as, Alex. Vas-y, mange ton œuf, Casey. Vas-y, regarde ce que j'ai. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Nous devons d'abord tout préparer. On casse l'œuf et on met directement dans la poêle. Voilà. Oui, c'est génial. Wow! C'est l'heure de manger. Comme c'est bon! C'est tout? Maintenant, c'est ton tour, Vita. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut des mesures sérieuses. Oh, oh! Wow! J'avais besoin de quelque chose pour me protéger ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, fais attention! Oh! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Attention! Wow! C'est beaucoup de brillantises cool d'un coup! J'adore! Génial! Vas-y, partage avec nous, s'il te plaît! Eh bien! Très bien, voilà! Ok. Voilà, tenez! Cool! Oh, si petit! Si mignon! Wow, quelle superbe céréale! C'est juste incroyable, c'est tellement énorme! On dirait que tu n'as pas de chance, Vita. Oh, rigolez tant que vous voulez. Oh, j'adore ce bruit. Quoi? Juste une seule? Bon, j'ai du lait, moi. Une seule goutte? Oh non. Pauvre Vita. Oh, vous feriez mieux de manger vos céréales. Je suis tout à fait d'accord. Cool. Miam. Et maintenant, je vais boire du lait. Ouais. Ça a l'air génial, ça. Et maintenant, tout en même temps. Oui, génial. C'est tellement pas appétissant, ça! Oh, je sais pas. C'était cool pour moi. Vas-y, c'est ton tour. All right, all right, all right. Comment boire autant du lait? J'ai une idée. Je vais verser toutes les céréales dans un bol. Ouais. Oh, wow. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il pleut de céréales. Attrape les céréales. Super, ajoutons du lait. J'adore, c'est génial. Oui, c'est un bon moment pour manger. C'est incroyablement délicieux. Oui. Je me demande combien de temps il lui faudra pour tout manger. Oh, regarde. C'est tellement drôle, ça. Oh, j'ai finalement tout mangé. Que s'est-il passé? Je pense que quelqu'un a trop mangé.
Oh, je ne me sens pas très bien. Oh, c'est un beau gâteau, ça. Et moi, j'ai un gros gâteau délicieusement frais. Et vite, regarde ce que qu'est-ce qu'il y a. Wow! Quel gâteau génial que j'ai! Oh, Alex! Regarde, c'est tellement petit! Okay. Rigolez, rigolez! Et moi, je vais commencer à manger! Oh, baby! J'ai même une fourchette et un couteau! Et à la table appropriée! Alors, je vais essayer. Oh oui! C'est vraiment très bon! Je pense que je vais tout manger. C'était vraiment délicieux! Allez, Vita, commence! Oh oui, j'ai commencé! Comme c'est bon! Oui, je vais me lécher les doigts. Comme elle mange mal. Je veux te manger. Ah, je peux pas m'arrêter. Non, mais regardez. La peinture bleue. Pourquoi vous rigolez? Ici, vas-y, mange. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je ne peux pas regarder ça. Oh, c'est tellement bon. Oh, qu'est-ce que vous avez avec vos visages? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Elle a été clouée par son propre gâteau. Oh oui, c'est passé. Aïe! Et je peux manger ça? Oui, je vais goûter aussi. Wow, c'est un Kinder! Des surprises nous attendent! De grosses surprises! Énorme! Voyons ce qu'on a! Quoi? Oh non! C'est un mensonge! Un œuf cru! Et maintenant, j'ai peur d'essayer! Ça ressemble à du chocolat, c'est amusant! Ouais, il y a d'autres de ces bébés! Oh non, c'est un mensonge encore. C'est des œufs crus. Je n'avais pas mangé des œufs crus. C'est vrai. Je pourrais élever le poulet. Vous allez le découvrir ce que je vais faire. Regardez, l'œuf bouge. Regardez, c'est des vrais poulets. Oh, regardez ces poussins. C'est si mignon. Ouais, vraiment sympa. Découvrons ce qu'il y a sous les couvercles. Laissez-moi voir. Oh oh. Peut-être c'est mon imagination. Oh non. Oh, il n'y a rien, regardez. Bon, je vais regarder. Oh quoi? Toi aussi. Ouais. Nous savons ce que c'est. Oh non, quelle puanteur. Oh non. Peut-être c'est du chocolat. Ouais. Julia, non. C'est vraiment du chocolat. C'est du Nutella. J'adore vraiment ça. Et vas-y, goûte la mienne. Vas-y, je n'ai peur de rien. C'est tout le Nutella. Et vraiment, le Nutella très savoureuse. Vas-y, goûte. Oh, en fait, c'est très bon. Il y en a beaucoup. Ouais. Vas-y, donne à Emma. Ouais. Vas-y, tiens, Emma. Oh, en fait, c'est bien. Vas-y, donne-moi un peu. Oh, le poisson, c'est dégoûtant et ça sent mauvais. Vas-y, Emma, commence. Vas-y, commence. Oh, j'ai un petit poisson. Oh, c'est dégoûtant. Oh, Stan, vas-y. Ok. Oh, je ne peux pas, ça pue vraiment. Oh non, vas-y, laissons-la vivre. Oh, le pauvre poisson. Julia, vas-y, maintenant toi. Oh, j'ai une idée. Maintenant, il y aura le chef-d'œuvre culinaire.
Ça sent très bon. On veut manger. Il y en aura assez pour tout le monde. Voilà. C'est le poisson le plus savoureux que vous avez jamais mangé. Je vous demande ce que c'est cette fois-ci. Oh non, une seule chips. Oui, une énorme chips. C'est vraiment un bébé pour moi. Oh, regardez-moi. Oh, non, je vais l'avaler. Parce que regardez, c'est tout simplement délicieux. Ouais, c'est cool pour moi aussi, mais si petite. Et en fait, c'est coincé dans mes dents. Julia, pourquoi pas partager? Non, pas du tout. Demande à Emma. C'est vraiment délicieux. Emma, partage avec ta meilleure amie. Non, jamais. Ouais, trigger alors. Vous savez comment rendre encore plus savoureuse? Avec la sauce! Prends ça! Oh, c'est vraiment délicieux. Julia, serre-toi. Je vais brûler! Tenez-moi! Je tombe! Vas-y doucement, nous allons tout passer à un mauvais moment. Laissez-moi commencer. Oh, le pied moi est prêt à ressortir. Oh, donnez-moi de l'eau. Tiens, encore. Non, c'est à moi. J'ai dit le mien. Ne me mets pas en colère. Oh, merci. Julia, mange. Moi? Peut-être non. Vas-y, mange. Très bien, très bien. Monsieur Comment, vrai dragon! Sexy Comment m'avait tiré d'un incendie! Maintenant, Emma. Je pense que nous devrions y aller. Je suis d'accord. Chiffon, je peux le faire. Quoi? C'est un moment! Les rouges qui sont mes préférés! Génial! Mais restez là! Oh, restez là quand même! 1, 2, 3! Et c'est tout? Des six petites pastèques. Et j'ai de la pastèque géante. Ah, une fille. Je suis un maître de l'épulchage des pastèques. Cela semble fou, hein? C'est comme si tu découpais des gens. Regardez comme la pastèque est propre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai perdu ma pastèque. Vous savez que tu peux vérifier ton intérieur en par la porte. Attention, le mort frappe. Oh, laissez-moi sortir, je ne peux rien voir. Je vais l'enlever. Oh, j'arrive pas. Quoi faire? Je sais. Si tu veux pas enlever la pastèque, tu peux vivre avec. Autre chose. Je ne vois toujours rien, aidez-moi. Oh, regardez, c'est du brocoli. J'adore. Oh, mâcher ces termes. J'aime bien. T'aimes ça, toi? T'es fou, toi. Ok. Mais je vais commencer. Oh-oh. Ça a même l'air dégoûtant. Le goût est exactement le même. Je vais devoir pour moi. Je vais vomir. Non. Tiens, donne-le-moi. Oh, c'est cool. Oh, waouh. Wow. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Maintenant, je mange. Il est temps de manger ton chapeau. Le brocoli est très sain. Maintenant, je suis plus fort et en meilleure santé. Alors, un nouveau tour. Oh non, si petit gâteau. Mais j'ai un pistolet magique. Maintenant, c'est différent. Donne-moi, s'il te plaît, j'en ai besoin. Yeah, regardez, ça a marché. Elle grandit comme un citron. Regardez comme elle est délicieuse. Miam. Et maintenant, moi, je me demande jusqu'à quel point le biscuit peut devenir plus grand. Découvrons-le. Regardez comme ça pousse vite. Oh, c'est où ça? Oh,
Oh non, j'ai été attaquée. Et bon, nous avons toujours un nom. Je propose que nous découvrions ce qu'il y a à l'intérieur dès que possible. Totalement d'accord, c'est tout. Un seul biscuit pour nous trois. Oui, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois que je sais. Il est temps de tirer les cartes. Je ne vais même pas essayer le biscuit. Pas de chance. Sauf si je vais vite. Non, non, tu ne toucheras pas notre biscuit. Maintenant, je tire la carte. Je peux le mordre. Eh bien, cela signifie que je vais devoir le lécher. Et je voulais manger. C'est bon, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Bien que j'ai une idée. Samantha, et si je commençais? Vas-y. Tu ne peux pas manger de toute façon. Je mangerai peut-être pas, mais je lécherai la meilleure partie. La farce blanche. Quoi? Tu n'as pas laissé pour moi? T'inquiète pas, j'ai préparé de la bave juste pour toi. Voilà, profite de ton appétit. J'ai une bonne bave d'ailleurs. Hey you! Quel cauchemar! C'est tellement dégoûtant! Oh, j'ai l'impression d'avoir été léché dans la bouche par un chien. Hé, hey, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est dégoûtant. Il est temps d'ouvrir. Je peux le faire cette fois-ci. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh oh, je pense que c'est un cactus. Peut-être que ça sera chocolaté. Il faut le vérifier. Non, non, c'est pas vrai. C'est réel. Oh, c'est terrible, c'est une aiguille. Je sais comment je peux t'aider. Il se trouve que j'ai quelques pansements qui traînent. C'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Merci, Jack, t'as un vrai gentleman. Je dirais qu'il est temps de tirer les cartes. Oh, bien, pas encore. Yeah, j'ai gagné. Vous ne toucherez pas. Oh, je vais devoir le lécher. Et je dois le mordre, c'est affreux. Oui, pas de chance. Surtout en étant le premier. Moi, pourquoi moi? Non, tu commences. Arrêtez. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Arrêtez. Pourquoi ne pas régler la question d'une manière plus simple? Pierre, papier, ciseaux. C'est une bonne idée. Pierre, papier, ciseaux. Ah, je pense que je gagne. Alors, Jacques, tu seras le premier à lécher cette horreur. Au moins, c'est juste. Oh, ça fait vraiment mal, aïe. Pauvre Jacques. Oh, allez, c'est juste une blague. La langue n'est pas vraiment réelle. Stupide blague. Maintenant, tu dois lécher le cactus pour de vrai. Hein. C'est bon. D'accord. Je vais pas prendre le risque. J'ai une idée pour rendre un cactus complètement inoffensif. Comme ça, ça ne sera pas du tout piquant. Ah, arrête, fais attention. Ça vole toujours droit sur nous. Je suis couverte d'aiguilles. Arrêtez, ne râlez pas. Au moins maintenant, je peux lécher le cactus en paix. Et Amber peut le mordre. D'accord, je vais essayer. Je suis pas impliquée, mais je suis toujours couverte d'aiguilles. Oh, même un cactus rasé a un goût dégoûtant. Oh, c'est juste dégoûtant. Pourquoi moi encore? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh oh, c'est pas moi. Poupou. C'est toi, elle, Amber. C'est quoi cette odeur? Je pense que l'odeur vient sous le couvercle. Il faut découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ouah, c'est ce dont j'avais peur, c'est un poisson. Oh, horrible. Méchant poisson. Mais les cartes n'ont pas été annulées. Oh non, je vais devoir le lécher. Yeah, je ne fais rien du tout, je suis chanceuse. Qu'est-ce que c'était? Oh, arrête. Alors je dois mordre ça? Eh bien non, je suis pas d'accord. Vas-y. C'est difficile que je pensais. J'ai peur. Mais je dois le faire. Encore une minute. On va pas t'attendre. Je vais t'aider. C'est vrai, c'est vraiment plus rapide. Horrible. Comment tu oses?
Je vais t'attraper. Ici, mange ton poisson. T'as fait quoi? Je n'étais pas prête. Je vais être malade. Oh, ça pue. Gross. Mais ce n'est pas tout. Il te reste un demi-poisson entier. Lâche-moi. Ah, oh, tu me fais mal. Pourquoi tu fais cela? Eh bien, bon. C'est parti. C'est un énorme gâteau. J'ai déjà envie de le manger. Mais pas encore. Les cartes d'abord. C'est prêt maintenant. Okay. Génial. Je peux lécher n'importe quoi. Oui, je vais manger. Il n'y a rien que je puisse faire. Et pourquoi je devrais souffrir? Je peux aussi goûter le gâteau. Oh, c'est délicieux! Je pourrais manger ce gâteau pour toujours. Ne me touche pas! Ce n'est pas ton gâteau. Arrêtez! Vous pouvez bien partager. Parce que nous n'avons pas assez. Tu veux bien t'arrêter? En fait, c'est aussi mon gâteau. C'est vraiment bon! Arrête! Il faut partager! What? Mais qu'est-ce que tu... Oh, encore du gâteau sur le nez. Génial. T'avais raison. Le gâteau est génial. Et Samantha, pourquoi ne partages-tu pas avec nous? Quoi de plus? C'est mon gâteau. Ah ouais? Alors tiens ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais te... C'est ça. Je vais t'attraper. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Hé! Ah ah. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que ça te va bien. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Oups, ça n'a pas l'air d'avoir bon goût. C'est juste horrible, hein? C'est dégoûtant. Quel cauchemar. Et moi, je mange ça. Et moi? Ok. D'accord, le chien ne sera pas si difficile si tu tiens le nez. Ce n'est pas si effrayant. Ici, t'enlèves le pince à linge. Oh, c'est dégoûtant. Mais non, ma protection. Maintenant, toi. Oh non. Okay. Je ne peux pas faire ça. C'est dégoûtant. Oh, mais il faut. Pourquoi est-ce que c'est moi qui a de la malchance? Oh non. Gross. Comme c'est désagréable. Un vent de l'air frais. Raconte-moi. Tu n'es pas encore heureuse, je me sens pas très bien. Oh non, il y a encore cette puanteur. Aidez-moi. Je suis en train de tomber, sauvez-moi. Oups. Ce n'est pas ma faute. Jetons un coup d'œil ensemble. Cool, Babouba. Oui, il ne reste plus qu'à tirer les cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est parti, je ne pourrai même pas manger. Ok. Yeah! Je peux mâcher en chewing-gum. C'est cool, non? Allez, chier. Le chewing-gum doit être mâché. Tiens, attrape, tu commences. Yeah! Cool. J'espère que le goût est vraiment bon. Essayons avec la langue. Quel est le problème? Je peux tout lécher. What? Le goût sera meilleur comme ça. Hey! Tu vas tout gâcher. Peut-être que c'est suffisant. Donne-le-moi. Voilà, maintenant, elle se bat dessus. Au moins, c'était bon pour moi. Non, je le mangerai pas. C'est dégoûtant. Ah! What? Oh non! Pourquoi moi? Oh non, personne va le manger après moi.
bienvenue au challenge de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans les mains. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi? Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon, si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef-d'œuvre. Je pense qu'en stylo mes doigts. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait gâcher mon dessin. Oh, quelle malchance! Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi, hein. En plus, ton dessin est fichu. Lui aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête! Oui! Merci! Pourquoi t'es si heureuse? Je vais aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît! Stop! Les filles, votre temps est écoulé, montrez-moi vos œuvres! Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea! Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais à une tache. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord, puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde, donc j'ai mérité ce prix. Oh. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'as tort. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Et où est le chocolat? T'es notre ami. Tu l'as donc partagé avec nous. Voleuse! Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressaisi. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un feutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Et je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs-d'œuvre. C'est terminé. Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Waouh, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin. Marie, pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. Du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça.
Oui, mais que se passera-t-il si elle a de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Awesome. Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Et vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Yeah. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton miaou. C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie? Oh, wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. On t'attoie. Regarde, Chelsea. Tu vois le nerf de la guerre. Oh non, c'est pas juste. Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y. Non! Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche en cadeau. Un vrai chaton. Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Où ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais. C'est génial. Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible. Tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea. Je t'ai donné une leçon. Moi maintenant, l'autre pourra apprécier mon maquillage. Ok. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, ce bébé à moi maintenant. Oh, achi! Je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Achi! Achi! Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleurs mondes maintenant. Oh non, c'est à moi! Tu t'es même vu? Soigne-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Comme le dernier prix était si génial, tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Ok. Et ça sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti. Bien sûr, ça va être génial. Non seulement la peinture à la sauce est amusante, mais aussi elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. D'accord, je suis pas offensée. Ça doit être amusant de peindre avec des sauces. Je veux dire, ils sont si brillants. Ça a l'air plutôt cool. Il s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Awesome! Je pense que la sauce fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faire un dessin très cool. C'est épuisé si vite. Mais c'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Oh, wow! Je savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Oh non! Tout le monde dessine trop cool. J'ai besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Oh non! Ce sont très bons. Ils doivent aussi avoir un très bon goût. Oh, wow! Ils ont tellement bon goût. Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules?
Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Oh, mais non, les stupides cartons. Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment t'as pu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Mais c'est pas du tout dessiné. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Samantha. Votre temps est écoulé. Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin est pas bon. Je préfère celui de Chelsea. Bon travail. Samantha, qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu penses que si t'assieds là et fais rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations! C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crus. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Oui, allez. Tu peux transformer un méchant poisson en une délicieuse friandise avec une torche. Et si passer l'affaire? C'est ça, regardez. Souhaitez-moi un bon appétit. C'est génial. Les filles, c'est tellement excitant de voir ce que le tour nous réserve. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Vous allez avoir tout un tas de capards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Oh non, horrible! Je suis désolée, mais vous devez quand même dessiner. Et vous ferez mieux de le faire avec ces petits crayons. Et ça sera très à l'aise pour dessiner avec ça. C'est inhabituel, mais vous allez l'adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une minute. Ah, je ne veux pas certainement avoir des gâteaux, mais je dois quand même monter mes talents de peinture. Je pense que je vais très bien m'en sortir. Oui, je l'espère, parce que sinon, je n'aurai personne dont je pourrais m'inspirer. Oh non, mon crayon s'est cassé. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour dessiner? Ah oui, j'ai un tas de crayons. J'espère que ça va m'aider. Oui, quelle beauté! Je peux enfin dessiner. Qu'est-ce qui se passe avec un tas de crayons? Oh non! Oh non, mais je suis couvert de n'importe quoi! Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à souffler sur le papier pour pouvoir commencer à dessiner. C'est fait? Hé, qu'est-ce que tu penses faire? Je suis couvert de n'importe quoi! T'inquiète pas, je vais t'aider à t'en débarrasser. Merci beaucoup! C'est très gentil de ta part. Bien sûr, je t'en voudrais pas après ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Devient le papier! Julie, tu vas arrêter de jeter les choses! Non, mais n'importe quoi, Julie! Tu te rends pas compte que tu t'en fais faire avec ma peinture? Tu vois que je peux pas être distrait tout le temps. D'accord, je vais sortir toutes les beautés. Quel beau dessin que t'as! Je pense que je vais prendre ça. Ah, oh, où est le dessin? C'est presque l'heure de la fin du challenge! Et t'as tout à fait raison! Le challenge est terminé, il est temps de montrer ce que vous avez réussi à dessiner. Vita, t'aurais pu faire mieux. Non, n'importe quoi. Mila, elle est où ton travail? Non, non, ça va pas du tout. Hé, hey, Julie! Eh ouais, un bon travail! J'aime bien ce dessin. Parce qu'il est à moi! Non mais, les filles, arrêtez! Qu'est-ce qui s'est passé? Quoique... Non mais, je ne veux pas connaître vos problèmes. Mila, tu vas avoir tes cafards. T'aurais dû essayer mieux. Oh non, c'est affreux! Waouh! Je n'ai jamais vu autant de cafards. Et qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est quelque chose de brillant. Waouh! C'est une bague! Avec un diamant! Waouh! J'ai tellement de la chance! Quelle beauté! Les filles, c'est toi aussi à un prix encore plus inhabituel vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous obtiendra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Non, vous vous moquez de nous?
et vous allez dessiner avec ses peintures sur verre. J'espère que vous pouvez le faire. Et c'est parti! Come on! Ok. J'avais l'habitude de dessiner beaucoup de choses comme ça quand j'étais petite. Alors, je dois gagner. Oh non, on dirait que c'est juste une tâche. Il faut réessayer. Ouais. Comment on peut gâcher un travail comme ça? Notre ouvrier peut être une pieuvre vraiment brillante. Mais même cela peut être dessiné de façon mignonne et vraiment jolie. C'est pas mal, ça. Awesome! Je suis totalement d'accord avec Mila. De plus, la pieuvre est peinte et belle, mais au moins, t'as de chance d'obtenir la vraie. Je n'ai plus de peinture bleue. Oh non! J'espère que Bella ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Hey, je ne comprends pas. Tu dois me demander la permission, hein? Voyons comment tu te sens quand cette beauté de peinture est à toi pour toujours. Ara, quel prank! Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Comment j'ai pu l'enlever? Bon, je dois d'abord terminer. Vita, qu'est-ce que t'as dessiné? Je pense que c'est quelque chose de très effrayant. Quel cauchemar! Bingo. Dire cela est pour le moins très grossier et je vais devoir te donner une leçon. Non, mais tu ne diras pas ça avec du verre cassé. Non, je ne veux pas de pieuvre. Bingo. Yonk. Non. Quoique, la colle que j'ai utilisée pour la farce pourrait t'aider. Les filles, vous n'avez plus de temps. Il est temps de montrer vos dessins. Hey, come on! Julie, bien fait. C'est incroyable. Awesome! Vita, mais ta toile, c'est une horreur. Malheureusement, ce n'est pas bon. Mila, j'attendais plus de toi aussi. Mais où t'as réussi à casser la toile? Je pense qu'il est juste que la pieuvre obtienne les deux concurrents qui ne sont pas associés à ces règles du challenge. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. C'est vrai, vas-y, mangez. Et moi, je vais vous regarder. Non, mais ne niez pas. Vous devez quand même manger. Oh. C'est n'importe quoi, c'est dégoûtant. Ah non, j'ai encore plus peur d'essayer. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Julie, pourquoi tu rigoles? On ne se moquera pas de moi, Vita. Je propose que nous montrions à Julie qui a le dernier mot. Je suis avec toi jusqu'au bout. Julie, attrape. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est dégoûtant. Maintenant, j'ai des tentacules pour les cheveux. Je n'arrive même pas à faire partir cette puanteur avec de l'eau. Alors, à quoi ressemblera le troisième tour? Vous avez de la chance cette fois-ci. Regardez quel mignon petit chien. Et une fois de plus, vous devez dessiner avec quelque chose de très inhabituel. Maquillez-vous pour ressembler au plus mignon des petits chiens. Vous avez une minute pour recommencer et c'est déjà commencé. Bon, je ne peux pas perdre. Je vais vraiment être amie avec Toutou. Moi aussi, je veux. Awesome! Oui, nous voulons tout avoir un ami aussi mignon. Je dessinais le maquillage des chiens. Je pense que je peux utiliser cette compétence. Oh, en fait, c'est pas mal du tout. Il faut réparer cela. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout gâché. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. Tu sais quoi? Tiens, tu sauras comment m'empêcher de dessiner. Ah ouais? Alors tiens. Oui, laisse-toi laver tout ça. Pourquoi tu me détestes tant? Ah, vous êtes tellement brillante! Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce toutou. Non, mais ne me touchez pas! Et c'est fini! Il est temps de décider qui deviendra le propriétaire de ce toutou. Vita, c'est affreux! Oh non! Bébé, tu ne peux pas regarder ça! Mais là, tu n'es pas mieux! Ton maquillage n'est pas aussi brillant, mais tu n'as toujours pas l'air d'un mignon petit chien. Julie, tu t'en sors très bien. Tu vas exactement voir un nouvel ami. Oui. Oh,
Regardez comme il est beau. Il est mignon. Qu'est-ce que vous regardez? Je devais combattre la concurrence d'une manière ou d'une autre. C'est quoi cette odeur? Oh non! Un chien mignon a déposé du caca! Oh, horrible! Alors nous avons eu le chien, tu n'as que ses restes. La justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans ce tour. Regardez ce magnifique collier! Et l'une d'entre vous l'obtiendra. Et vous devez dessiner avec ces bouteilles. Et il y aura de la colle colorée. Avec des paillettes. Je pense que ça va être cool. Et c'est parti. Okay. Je sais que je vais avoir ce collier. Les autres filles ne correspondent pas du tout au statut. Non mais j'y arrive pas du tout. Oh non! J'ai tout gâché! Et comment je dois enlever ça? Peut-être redessiner avec un autre? Non, rien ne fonctionne. Quoi faire? Julie, ce n'est pas drôle. Je vais te montrer. Non, non, ne me touchez pas. Je n'ai absolument aucune idée de comment dessiner un collier. Mais les autres ne devraient pas l'avoir non plus. Mela, ne le prends pas mal, mais tu dois sentir le pouvoir de ces colles sur toi. Tout se passe parfaitement bien. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de colle rouge. Génial! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la bouteille est collée à maman? Julie, c'est tout toi! Moi? Non, c'est Vita! Ah, c'est vrai? Elle devra donc découvrir à quel point cette colle est bonne. Mais pas sur sa main, mais sur son visage. Je pense que ça lui va très bien. À l'aide! Non, non, enlevez ça! Oh non! Mes sourcils se remettent en place! Non, non, mes sourcils! Mais là, tu n'aurais pas dû faire la concurrence à moi. Je vais te montrer. Stop! C'est fini! Montrez ce que vous avez dessiné. Vita, non! C'est un travail terrible. Ne sois pas offensée. Julie, c'est pas mieux. Les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez comment dessiner. Mais là, c'est une bonne chose que tu me rends toujours heureux. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le prix revient à Mila. Félicitations. Waouh, quelle belle beauté. Je vais être la plus belle. Julie, tu veux quelque chose comme ça? Tu veux que je te le laisse porter? Bien sûr que oui. Mais je te ne le donnerai pas. Oh non, mais n'importe quoi. Alors personne ne l'aura. Qu'est-ce que t'as fait? Et non, et je me sentais déjà comme une princesse. C'était si beau. Les filles, vous auriez dû voir vos visages. Aucun collier ne peut les réparer. Maintenant, j'ai une surprise pour le meilleur dessin. L'un d'entre vous recevra ce piment. Croyez-moi, c'est délicieux. C'est parti. Oh, je ne suis pas censée l'avoir. Le piment? Si je fais exprès de faire une tâche, je ne recevrai certainement pas ce piment. Et si mon crayon se casse? Je n'aurai pas le piment. Oups, c'est cassé. Mais je vais faire de mon mieux. Et dessiner magnifiquement. Qu'est-ce que tu dessines? Ça n'a pas d'importance du tout. Bon, le temps est sur le point de s'écouler. J'ai dessiné un Kit Kat. Ça n'a rien à voir avec le piment. Ce qui veut dire que je vais perdre. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais la mienne est meilleure. Naïve, mon plan a fonctionné. Très bien, le temps est arrivé à sa fin. Déjà? Super. On est prêt. Vivian, vous auriez pu faire au moins plus d'efforts, c'est affreux. Oh, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Une fleur? J'adore les fleurs. Mais c'était le piment. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Les piments. J'aime vraiment beaucoup. Mais attendez une seconde. C'est pas du tout un piment. C'est un Kit Kat. Et Julia obtient... Julia obtient un Kit Kat. Comment j'ai pas pu y penser? Eh bien, voici votre barre de chocolat. Super, ça va être délicieux. Vous êtes prêts? Vous allez l'adorer. D'accord, plus d'un cri. Il y a un burger qui vous attend. Croyez-moi, ça sent délicieusement bon. Oh, je le veux déjà. Vas-y, c'est parti. Un burger, alors. Je peux le dessiner. Je suppose. Non. C'est trop gros. Essayons à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si mauvais? Oh, celui d'Ethan est tellement mieux.
tu dois gagner. J'ai vraiment faim, alors il faut que je prenne un burger. D'accord, le dessin est une science, c'est ce qui signifie. C'est difficile de rester immobile. Oui, je sais. Mais cela n'a pas d'importance parce que mon burger est en train de devenir génial. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai faim. Je crois que j'ai une idée. Si je prends une petite bouchée, personne ne le remarquera. Ce burger est vraiment bon. Et le temps est terminé. Stop! Nous sommes prêts. D'accord, Rita, votre dessin est très faible. Ça ne va pas se suffire. Et pour le mien? Et j'aime beaucoup ça. Regardez, le mien, il ressemble plus. Le burger est mordu. Comment ça? Oui, c'est une monture. C'est difficile pour moi de l'admettre, mais vous êtes en train de gagner. Ce qui veut dire que vous avez ce burger. C'est vrai, j'ai gagné. Comme c'est bon. C'est tellement juste. Ouais. Vous êtes prêts à recevoir un nouveau prix? 1, 2, 3. Il y a un cactus qui vous attend. Regardez cette beauté. C'est parti. Un cactus? Ce cactus ne me dérange pas. Je peux le mettre dans la chambre, c'est magnifique. Je m'imagine avec un cactus. Je n'aime pas ça. Je sais pas ce que je vais le laisser faire. Je vais dessiner comme je peux. Oh bon, j'ai aussi une idée. J'ai dessiné un poisson. Un poisson, c'est bizarre. Eh bien, c'est bon à faire. D'accord, on dirait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, il est temps de terminer. Montrez-moi ce que vous avez. C'est tout? Eh bien, regardez. Que pensez-vous de mon chef-d'œuvre? Un chef-d'œuvre? C'est son cœur et gribouillis, c'est horrible. Oh, c'est génial. Je ne l'ai même pas, ce cactus. J'ai dessiné un poisson. Un poisson? Donne-moi le dessin ici. Si vous avez dessiné un poisson, c'est ce que vous allez manger. Quoi? Non, j'en veux pas. C'est votre propre faute. Il faut dessiner selon les règles. Oh, ça, c'est cool, ça. Merci beaucoup, j'ai essayé. Voici le cactus. Oh non, pourquoi j'ai seulement essayé ça? Maintenant, je suis couvert d'aiguilles. Et allons-y. Oh, c'est vrai. Je suis en train de rêver. Cette fois-ci, vous avez les beignets délicieux. Vous voulez les avoir? Eh bien, dépêchez-vous. Le temps est parti. Come on! Les beignets? J'adore les beignets. Alors, il faut vraiment essayer bien plus fort cette fois-ci. Mais je vais prendre les meilleurs beignets. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est une tâche, c'est pas un beignet. Ouais, t'as vu ton dessin, toi? C'est trop cool. Et ensuite, tu peux ajouter des paillettes. C'est tellement plus beau. Regardez comme c'est cool. Montrez vos dessins. Vous aimez bien mes beignets? Non, j'aime pas ça. Et que pensez-vous de mon dessin? Non, c'est n'importe quoi. Il reste que moi. J'aime bien votre dessin, c'est plutôt bon. Voilà, les beignets sont à vous. Cool. Je dois partager avec des amis. Je me demande ce qui se passe. C'est intéressant, alors regardez. Il y a un iPhone qui vous attend. Oh, wow. Oui. Pour le meilleur dessin, l'un de vous va recevoir le meilleur téléphone. Alors, il est où le minuteur? Je dois fouiller dans les poches. Oups, c'est la mauvaise. Nous avons besoin d'un marteau cette fois-ci. Je pourrais avoir besoin d'un nouveau téléphone. Mon ancien ne fonctionne plus du tout. Alors, pourquoi ne pas acheter un tout nouvel iPhone? Je peux le faire. L'iPhone sera à moi. Dessiner. Ouais, je peux le faire. J'imagine déjà les photos que je vais pouvoir prendre avec mon nouveau téléphone. Ça va être génial. Je pense que je m'en sors plutôt bien aussi. Oh non, tous les autres se débrouillent tellement mieux. Ce n'est pas bon. Il faut commencer par une feuille blanche. Ça semble fonctionner.
Non, ça ne marche pas, pas du tout. Quoi? Bah, peut-être il faut faire plus attention. T'as presque ruiné mon dessin avec ton crayon. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. What? Oh, je crois que je n'ai plus le temps. Le temps est écoulé. Oh non! Et j'espère que mon iPhone ne me laissera pas tomber et me sauvera. Yeah! What? Wow! J'espère que personne ne marquera ma petite déception. J'ai pris connaissance. Montrez-moi vos créations. Okay. Regardez. J'ai réussi. Ce n'est pas ce que j'attendais. Travaillez encore. Je pense que c'est cool. Que pensez-vous du mien? J'ai vraiment essayé. Alors pourquoi une pomme aussi tordue? Ce n'est pas le cas. C'est mon dessin, ça. Maintenant, c'est cool. J'adore. Non, ça m'ensole. Ce n'est pas un vrai dessin. Vous obtenez... Non. Vous n'obtenez rien. Je garde cet iPhone, compris? C'est à moi.